les vagues dans de la semoule fine ou de la farine. Pour commencer l'activité, vous avez besoin de prendre un plateau ou un couvercle de boîte, des graines, j'ai pris des grains de maïs, et de la semoule fine ou de la farine. Vous avez demandé à votre enfant de faire les vagues comme il a déjà vu dans des précédentes activités que nous avions proposées sur le blog. Donc ici, il va devoir utiliser son doigt pour tracer des vagues dans la semoule. Donc vous mettez 4 ou 5 graines ou petites pâtes ou perles, ce que vous avez à la maison, sur la semoule ou la farine. Vous lui mettez un petit point de départ. Il va devoir passer au-dessus de la première graine en tournant, en dessous de la deuxième, etc. Voilà. Il monte, il passe au-dessus, il redescend, il passe en dessous en tournant, il monte, il passe au-dessus de la suivante, il tourne, il redescend et il recommence. Et il s'entraîne autant de fois qu'il en a besoin. Quand il y arrive, très bien. Vous enlevez les graines. Ça peut être la même journée s'il y arrive parfaitement. Sinon, ça peut être quelques jours plus tard. Il continue de s'entraîner avec les graines. Et ensuite, il le fera sans graines quand il y arrivera bien. Donc à chaque fois, n'hésitez pas, vous secouez un petit peu pour retrouver un tableau, si on peut appeler ça un tableau, vide. Donc là, c'est sans les graines. Donc, vous lui mettez toujours le petit point pour qu'il puisse avoir quand même un repère pour démarrer. Les enfants sont souvent perdus, ils ne savent pas par quel côté commencer. Parfois, ils se trompent, ils commencent par la droite ou ils commencent par en haut. Ici, on commence en bas, à gauche. Donc, et là, votre enfant fait lui-même des vagues.